Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'automne et on va faire le troisième et dernier labo d'épreuve de la semaine, Cordillera Rally, c'est parti! On accède au championnat, on s'inscrit. Comme voiture, je vais prendre la Peugeot 207 Super 2000 de 2007 en version d'origine. Alors on est plusieurs sur le circuit, si vous voulez gagner facilement, mettez-vous en touriste, mais vous mettez la difficulté que vous voulez, c'est parti! Alors, c'est un sprint, ça c'est déjà pas mal. Plutôt chouette pour l'instant. Il y a plus d'asphalte que la semaine passée, hein. La semaine passée c'était vraiment un rallye exceptionnel. Mais celui-ci est bien aussi, c'est différent. Pour l'instant c'est très fun. On peut bien glisser avec la voiture, c'est bien rigolo. Voilà. Là par contre c'est moins rigolo, c'est parce que je fais l'andouille. Ah, c'est chouette, un petit truc de décollage, pas mal. Il est pas aussi bien comme je disais que celui de la semaine passée, mais il est quand même très bien. Le parcours est quand même très chouette. C'est dommage qu'on nous propose pas au minimum un parcours de rallye par semaine dans le labo d'épreuve. Ça nous changerait de tous les brawls. Avec des virages dans tous les sens, au moins ici, c'est fun, quoi. Est-ce qu'ils ont peur que si on met trop de trucs de rallye dans le jeu de base, les gens n'achèteront plus l'extension rallye? Un petit ponton, pas mal. Oh là, ça c'était un piège, hein. Vaut mieux pas le prendre trop lentement. Ah, j'ai freiné trop tard, je crois. Ah, ça va encore. Eh ben, je me suis bien amusé et je le referai avec grand grand plaisir avec d'autres voitures. Vraiment, j'ai bien bien aimé. Un petit peu moins bien que celui de la semaine passée, mais quand même très très bien quoi. Excellent, le meilleur circuit labo de cette semaine. Bravo aux créateurs, c'est du super boulot. On en voudrait toutes les semaines des comme ça. Ça nous changerait la vie, franchement. Et on récupère l'Exocet Off-Road de Exomotive. Rallye de Cordillera terminé, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.